Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone de jeu de société. Alors aujourd'hui, et non, ça ne sera pas un épisode 3, ça va être plutôt un rapport de campagne que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai continué ma partie de Hunters ED 2114 aux petites recherches que j'ai fait à New Jensen. Et j'ai continué mes recherches. J'ai en fait mon soldat puis mon médic ont fini par trouver le nécessaire pour pouvoir acheter l'information. Et avec l'information que mes médics, que mon médic et mon soldat ont réussi à obtenir de Jim, je me rappelle bien qu'il s'appelait à la porcherie, mais essentiellement j'ai réussi à débloquer plusieurs autres lieux. Donc, j'ai essayé de pas faire trop d'erreurs dans le processus. Donc, essentiellement, j'ai découvert, là, vous voyez, il y a des choses installées, vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai découvert qu'il y a finalement des informations que je vais pouvoir avoir à la station météorologique. Qui est désaffecté pour essayer de savoir un peu ce qui se passe avec le climat. J'ai à l'ancienne Assyrie, un ancien météorologue qui a déjà travaillé à la station de météorologie, météorologique, on va finir par dire le mot correctement, qui finalement pourrait m'aider. J'ai aussi découvert d'autres éléments. J'ai dû aller me promener jusqu'à El Infierno, où je suis rendu présentement d'ailleurs, et ça m'a permis essentiellement de découvrir plusieurs autres informations. Et dans le processus, j'ai rencontré un certain Paul. Donc, c'est drôle à dire, moi je vais l'appeler Paul, mais le nom du gars, c'est tout à fait avoir une gang derrière lui. Puis finalement, j'ai pour lui, pour aller avertir, battre un commerçant qui lui devait de l'argent. Puis finalement, j'ai décidé de laisser aller le commerçant en l'avertissant que Paul lui en voulait, qu'il fallait qu'il déguerpisse le plus rapidement possible. Et de fil en aiguille, ça m'a fait rajouter un événement dans la série de cartes, événements de sites. Et justement, en me déplaçant de New Jensen à El Infierno, ça l'a fait en sorte que j'ai pigé la carte qui faisait en sorte que Paul finit par se rendre compte que j'ai pas respecté ma parole finalement, puis que j'ai laissé aller celui qui lui devait de l'argent. Et là, il m'envoie ses hommes, finalement, me casser la gueule, comme on dit ici. Donc, me battre pour me donner une vilaine leçon. Donc, c'est un des scénarios de bataille qui est le Q62. Donc, vous voyez tout juste... Oups, c'est pas la bonne chose. Donc, vous voyez dans le cahier tout juste là. Donc, on a la carte où placer les choses. À deux personnages, il y a des petites affaires qui changent. Donc, le chef débute avec 2 points de dégâts. Ah, la traduction française, il y a une petite erreur. Dans la traduction anglaise, je viens de voir que le chef débute la partie avec 3 points de dégâts pour de vrai. Donc, il y a une petite erreur ici dans la version française faite sur le web. Donc, essentiellement, j'étais rendu là. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour le bénéfice de ce rapport de mission-là? Je vais commencer par vous parler de mon expérience narrative du jeu. Parce que bon, on passe d'un site à l'autre, etc. Ça donne une belle impression là, finalement de l'univers. Et comme disait dans une vidéo précédente le propriétaire du jeu, c'est-à-dire Patrick Aymon, effectivement, j'ai pas eu la chance de vous présenter trop les cartes, à quoi qu'elles ressemblaient, parce que j'ai pas le même matériel que Martin possède en tant que tel. Donc, d'avoir une petite toile verte où est-ce que je peux déposer la carte ou la présenter beaucoup plus proche. Un jour, j'ai bien dit, ça va venir, parce qu'on a toujours une certaine limite en financière qui nous attend, on s'entend.
Mais essentiellement, c'est un univers qui, en ville, mettons à New Jensen, ou encore à El Fiorno, qui nous fait penser beaucoup à un univers un peu à la Blade Runner. Par contre, un univers à la Blade Runner où tout est... disons qu'il y a moins de bons soins qui portaient à la technologie qui nous entoure. Alors, je vais essayer justement de vous présenter une de ces cartes-là. Si je prends la carte de New Jensen, mettons. Alors, je vais la rapprocher. Je vais tenter de faire quelque chose ici. Alors, j'aurais dû me préparer avant. Donc, on va y aller avec ça ici. Alors, ça. Qu'on va retourner. Alors, comme ça. Donc, on va bouger ça de même. Puis là, on va réduire le tout. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis là, on va augmenter. Et là, j'espère qu'on va pouvoir voir la carte correctement. Ouf, c'est un petit peu blurry, mais ça donne un air d'aller. Alors, voilà. Alors, même, je peux arranger ça un peu mieux. Alors, on va essayer de mettre ça en plus gros un peu. On va essayer effet masking filter. Attends, je fais ça, non. Smoothen, non. Nope. Magnify, oups, non. Non, je sais que. Alors, on va faire ça comme ça. Bon, alors. Comme je disais, la carte de New Jensen, on va voir mon doigt. Alors, on voit très bien New Jensen ici. Alors qu'avec des petits panneaux publicitaires, on voit que c'est un environnement qui est très, très, très pollué, qui est pas nécessairement qui a l'air plus à un environnement sale, mal entretenu, etc. Donc, c'est pas nécessairement un environnement très, très joli, on s'entend. Donc, c'est plutôt intéressant comme ambiance. Ça nous met vraiment dedans, que ce soit les images. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on change de localisation, lorsqu'on s'en va chercher une carte, lorsqu'on change de localisation, une carte de localisation. C'est quand même très, très, très les cartes de localisation, là. Donc, qu'on va chercher. C'est très, 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 très intéressant. Parce que ça donne beaucoup, beaucoup d'ambiance au jeu. Par contre, en fait, ces cartes-là, ça ressemble beaucoup aux cartes de Crossroads, pardon, qu'on va retrouver dans Battlestar Galactica, dans Dead of Winter, qu'on va retrouver aussi dans Zona en tant que tel. Alors, on a des choix à faire et ça, bien sûr, ça a des conséquences, ça va nous rajouter des bonus, des malus, etc. Comme mon choix finalement de sauver le commerçant que je devais aller battre, que j'ai décidé de pas battre, ça change beaucoup de choses de ce côté-là. Alors, ça, c'est quand même très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est lorsqu'on change de site, un peu le même type de carte qu'on va retrouver là-dedans, qui porte un titre, etc., qui va rajouter des éléments un peu aléatoires dans l'histoire, qui sont comme des espèces d'histoires secondaires à l'histoire principale. Donc, c'est quand même très intéressant. De ce côté-là, puis l'histoire est assez intrigante, je dois l'avouer, là, jusqu'à date, le fait que je suis en train de rechercher des informations sur le climat qui change, on est en été, il fait froid, c'est pas supposé être le cas, le fait qu'il y a ces prêtres-là, le dieu givré, j'ai même assisté à un moment donné à un discours, un sermon donné par un de ces prêtres-là à El Infierno.
puis à un moment donné, il est en train de parler, puis bon, on finit par avoir une partie de son discours en tant que tel, un discours assez lugubre qui donne pas envie que ça se produise réellement. Et pendant son discours, pendant son sermon, finalement, il y a comme un vent froid. On est à moitié gelé. La foule est à moitié gelée. La foule est en délire. Ça a l'air d'être des gens très charismatiques, etc. Et c'est très, très, très intriguant d'essayer de trouver c'est quoi l'identité? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde, dans ce monde de 2114? C'est très, très, très intéressant. Et là, on fait des choix, hein? Et ces choix-là font en sorte que des fois ça nous avantage, des fois ça nous désavantage. Là, ce que un élément que je trouve plutôt pas compliqué mais difficile, c'est les personnages. C'est qu'à chaque fois qu'on va changer de jour, on doit prendre une bouffe, donc une nourriture. Et ces nourritures-là, malheureusement, disparaissent quand même assez rapidement. Donc, il faut s'en acheter constamment. Ce qui nous demande d'aller chercher des fuel cells le plus rapidement possible, à vendre de l'équipement, vendre des ressources qu'on réussit à avoir. J'ai réussi à obtenir, avec ma curiosité, des produits chimiques, des explosifs, etc., que j'ai dû vendre, pour justement avoir assez de cellules d'essence ou de cellules d'énergie pour cellules d'énergie finalement pour réussir à m'en sortir, à guérir notamment mon médic qui était empoisonné à un moment donné. Alors, tu sais, ça allait pas nécessairement super bien. Et là, je me retrouve où justement Paul veut me donner une leçon et donc j'ai trois de ces gars qui m'attendent dans une ruelle de El Infierno et qui veulent me casser la gueule. Et là, moi, ce que je me rencontre beaucoup, beaucoup là-dedans, c'est que essentiellement, c'est que avant d'entamer des combats comme ça, il faut avoir de l'équipement. Et l'équipement se fait rare. Il faut soit le payer, soit réussir à trouver des plans pour en fabriquer. Ce qui veut dire qu'il faut fabriquer, qu'il faut développer sa base. Pour développer sa base, ça prend des junk, donc cette espèce de symbole-là, là, donc ces ressources-là, ça nous prend en bonne quantité. Et donc là, ça commence à être pas mal difficile. Donc c'est très 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 ardu. Je pourrais, la façon que je vous en parle, je pourrais peut-être vous faire penser un peu à Tintin Grail de Awaken Realms, dans laquelle les ressources étaient très, très, très difficiles à obtenir. C'était très difficile d'obtenir ce qu'on avait de besoin. Et ça me fait penser un peu à ça, en beaucoup moins pire, tu sais, la gravité est beaucoup moindre, par contre, mais il n'en reste que. Les denrées sont rares et donc les ressources sont rares. Ce qui va très 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 bien avec l'ambiance du jeu, je dois le dire. Bref, maintenant qu'on le sait, hein, on le sait un peu comment ça marche. Ça me prend 20 points d'expérience également pour passer de niveau, on va dire ça comme ça. Et si on va voir mes personnages. Présentement, mon médic a 5 points d'expérience. J'en ai 4 pour mon soldat. J'ai des first aid kits encore. Par contre, mon soldat n'a pas d'arme à feu à comparer à mon médic qui a un pistolet présentement. Donc, j'ai hâte de voir si je vais réussir à aller chercher ce dont je vais avoir de besoin. Et là, justement, j'étais rendu à ce combat-là. Et en deuxième partie, justement, de ce rapport de mission, puisqu'on n'a vu qu'un seul de ces combats-là au cours de mes sessions de jeu, je vais vous faire part du combat que je vais faire contre les hommes de Paul d'essai. OK. Bon, allons-y. On va se rapprocher un peu de ça. Et voilà. Donc, on est en pleine mission. Donc, présentement, j'ai deux brutes avec des bâtons. Donc, c'est ceux qui sont en brun.
J'ai également le boss, donc le chef de cette gang-là, qui est un petit peu plus fort, qui a quand même 8 points de vie, moins 3, donc il a 5 points de vie. C'est un combat qui va être beaucoup plus difficile que l'autre. Le boss a beaucoup, beaucoup de protection. Et moi, ben finalement, pour me défendre, j'ai pas grand-chose. Par contre, je peux fuir le combat si je vois. Si je sors du board, donc si je fuis le combat, je vais perdre 2 points de vie. Je vais quand même faire. Si on regarde le nombre de missions, je vais quand même me faire en bas là, complètement à défaite, quand même un point d'expérience. Puis chaque personnage inconscient va perdre ses fuel cells. Donc j'en ai juste une. Est-ce que vraiment ça vaut la peine que je me batte? Moi, je pense que ce que je devrais faire, c'est de l'essayer, puis au pire, si je vois que ça tourne mal, je vais m'en aller, hein? Donc, voilà. Donc, ça commence par les joueurs. Donc, la première chose que je vais devoir faire, c'est de choisir 5 cartes pour chacun de mes personnages. Donc, je vais choisir celle-là. Celle-là. Oups, celle-là. Je vais faire celle-là. Donc, ça fait 5 cartes ici. Je mélange le reste de ces cartes. Très important. Je vais les mettre de côté. Même chose pour le médic. Va prendre le on-call. Va prendre un shot. Va prendre un deuxième shot. Bon, ça pourrait être pas pire, mais ça. Et on prend un autre encore. On sait jamais, ça peut être utile. Donc, on mélange le reste. Ça, j'en ai pas de besoin. On va le mettre loin. Okay. Alors, allons-y. Allons-y. Donc, là, c'est les personnages qui font une action chaque. Donc, lui, quand il est derrière ça, ça veut dire quoi, là? Alors, c'est cover. Donc, quand il y a du cover, qu'est-ce que ça donne déjà? Alors, cover. On va aller voir dans le livre des règles. En anglais, bien sûr. Alors, cover, 26. Alors, les attaques à portée qui sont faites contre cette miniature souffrent d'un moins 1 pour toucher par icône qui IA. Et lorsqu'il y a ensuite l'œil Open Ground 26 toujours. J'aurais dû regarder, laisser la page là. Chaque personnage qui entre dans un espace avec cette icône doit immédiatement enlever le jeton de cacher. Donc, bon, il ne peut pas se cacher dans ce temps-là. Bon, ben c'est parfait. Donc, allons-y. Mon soldat, lui, y a-t-il une carte qui serait pas pire? Mettons, charge. C'est move to space. 1, 1, 2. Il peut pas aller en diagonale, il me semble, pour bouger. Movement. 26.
Ah non, il peut y aller en façon diagonale. Oh mon Dieu, ok. Bon. Fait que il va aller s'en prendre au boss tout de suite. Un, deux. Donc, il va arriver sur le côté du boss. Ça change rien de toute façon, c'est en mêlée. Donc, il va quand même arriver comme ça. Donc, il va faire une charge, mêlée attaque de 2. Et en bougeant, je vais utiliser la deuxième partie ici. Lorsque je fais une attaque de mes, je peux relancer un de mes dés rouges. Bon, excellent. Donc, je tire 4 dés. 2 dés ici, plus 2 de force. Oh mon Dieu, que c'est mauvais. Donc, il y a 2 d'attaque, plus 1, ça fait 3. Donc, j'en ai juste un qui réussit à toucher. Donc, je peux relancer un dé. Ah, c'est mauvais. Ah, que c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Là, j'ai rien d'autre que je peux faire. Non, c'est pas mal ça. Bon, mais. Foup, pas le pop-up. Donc, essentiellement, ça fait une touche. Et lui, contre mêlée, il y a 3 dés de défense. Ah, Seigneur. Ridiculous. Et voilà. C'est manqué. Donc, il réussit à résister. Donc, il va parer avec je ne sais trop quoi, c'est quoi son arme, peu importe, ça doit être un peu la même affaire. Ah, c'est une hache, une. Je sais pas. Il se bat mêlé, mais je ne sais pas avec quoi. Enfin, c'est pas grave. Donc, disons que c'est une machette contre une autre machette. Donc, il vient de parer le coup de mon soldat. On est des. Puis tirer jusqu'à 2 cases. Il va tirer à. Oh, mais attends un peu. Est-ce qu'il va utiliser une carte? Est-ce qu'il va utiliser une carte? Ben, il va tirer. Puis. Ok, ouais. Alors il va tirer avec son pistolet. Donc son pistolet, bon, il va tirer sur lui ici ou lui. Non, il va tirer sur lui ici. Donc il est à une case, c'est-à-dire que ça fait 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque et son tout hit. Son tout hit, son tout hit est de 2. Seigneur. Aïe, ça, c'est ce qu'on appelle être pourri pour juste un peu. Et touche une fois. Donc, lui, il relance pas. Lui, il a une défense. Donc, il tire sur le côté. Donc, c'est un dé de défense. Oh my god, c'est ridicule. C'est ridicule. Je vais mourir. Je vais mourir. Donc, ils ont fait chacun une action. Donc, maintenant, mon soldat va faire sa deuxième action. Il va faire une. Quick Strike. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire dans l'ordre, par exemple. Ça, c'est une bonne question. Je me rappelle pas. Je pense que oui, mais on va retourner voir. Action card. Donc, 7. Alors, available action description. OK.
OK. Ouais, mais ça me dit rien. OK. Ah, OK. Faut que je les fasse dans l'ordre. Je peux obligé de les faire les deux, par exemple. Donc, je fais une mêlée attaque à 3, donc à 4. Donc là, je risque de le toucher un petit peu plus. Ça me prend des 4 et moins. OK. Voyez mon résultat. En ce moment, j'ai envie de crier. C'est ridicule. Complètement ridicule. Là, c'est sur les côtés. Il tire 2 dés pour se défendre. Il se défend. Donc, j'y tire dedans. Puis, ça pénètre pas ses vêtements, apparemment, ou son, probablement son armure de Kevlar. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Donc là, c'est à mon médecin. Je pense que mon médecin va se mettre à crier. Fait que, il va faire un range attack 2. Toujours sur la sur le même. Alors lui ici. Donc c'est toujours 3D. Ça il prend des 2 et moins. 2 et moins ici. Que essentiellement. Il est pourri. Oh my god. OK. Là, ça va être la baston. Donc, premièrement, les muscles, ça va toujours, target toujours le plus proche. Donc, lui, il va sortir de sa cachette. Il va bouger de 1. Ça, c'est sa première action. Lui, ici, il va bouger de 1. C'est sa première action. Ensuite, le muscle change. Je me demande, changer de position. Je pense pas. Move. Encore là, je vais retourner voir le move. Parce que changer de heading, d'endroit où ce qu'il regarde, là, finalement. Est-ce que... OK. Move. All detail 22. OK. Chance que c'est à page 22. Pense que se sont trompés. Board. Enemy movement. Move along the shore. They should be moved. So non. OK. OK, non. Le changer de position, ça coûte rien. Donc essentiellement, lui, il se vire de bord, puis il est en mêlée attaque. Donc, il attaque avec 4 dés. Je vais jouer une carte pour me mettre un de défense, donc avec mon bloc ici. Il prend des 4 et moins, lui. Aïe, 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 il va me faire sacrer une volée. Donc, ça fait 1, 2, 3, moins 1, ça me fait 2. 1, 2, essentiellement. Donc, ensuite, deuxième action de chaque. Donc, lui, ici, il fait sa mêlée attaque à 2. Est-ce que j'ai droit à une défense? Faire C ici. Alors... Perdre un point de vie durant cette action est annulé. Donc,
Il prend des deux. Donc, celle-là, ben, ça l'annule essentiellement. Donc, ça y fait rien. Ensuite, c'est mon soldat qui se fait attaquer. Oh, excellent. Il se fait pas toucher. Donc, on s'en est quand même sorti. Donc, ça va bien. Alors, c'est la fin du round. Donc, floup, on a 7 rounds pour s'en défaire. J'ai l'impression qu'il va falloir fuir la scène. Ouais. Parce que là, j'ai pas de chance. J'ai aucune chance de m'en sortir, je pense bien. Puis mon soldat, là, il s'en va ça à go, là. OK. Donc, je reprends jusqu'à pour que avoir 5 cartes dans ma main. Lui, ça m'en prend 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, et ça recommence. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Oh, ça, c'était intéressant. Oh, essayons-nous. Il va faire un combo strike. Il va rerouler un dé. Donc, il fait une attaque sur chaque à deux. Donc, à trois à cause de sa machette. Donc, on va commencer par la petite brute. Ça me prend des trois et moins. On en fait deux fois. Puis, la brute tire un dé. Donc, 2 points de dégâts sur la brute. Alors, 2 points de dégâts sur celui-là ici. Excellent. Et sur le boss, ça fait 1, 2, je vais relancer un dé. 3, ce que j'avais pas fait encore. Et lui, il a 3 dés de défense. Oh, ça y fait un quand même. Poc! Et voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc ça, c'est sa première action. On s'entend. Première action de mon médic, à cette heure. Il va bouger de deux espaces. Un, deux, il va se rendre ici. Deuxième. Là, je peux pas faire ça deux fois, malheureusement. Moi, je m'en débarrasse d'un, c'est quand même pas pire. Donc, voilà. Il va attaquer deux, donc trois. Il va attaquer la brute. On prend les trois et moins. Oh my God. Non. Non, non, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Non, ridicule. Ridiculus. N'importe quoi. Oh, c'est n'importe quoi. Puis là, je peux pas relancer mon jet. C'est ridicule. Complètement ridicule. Puis c'est vrai, j'ai oublié d'appliquer ça. Oh, oh. C'est vrai, il pleut abondamment présentement. Qu'est-ce que ça change, ça, le fait qu'il pleuve abondamment? J'ai oublié d'appliquer cette règle-là. Qu'est-ce que ça fait quand il pleut? Nanana, hiding, mental defense, interact. Donc, qu'est-ce que ça donne quand il pleut? Terrain, weather effect, 22. Oh, c'est moins 1 to hit value. OK.
Bon, mais on l'a pas appliqué, malheureusement. On s'est complètement trompé. Je vais pas l'appliquer sur mes ennemis non plus parce que ça serait pas juste. Donc, essentiellement, on va pas recommencer le combat non plus. Hein, ça a comme pas de sens. Donc, lui vient d'attaquer, il vient de manquer son coup. Et là, mon médic, lui, il va faire un on-call. Donc, il va guérir mon soldat de 2. Donc, essentiellement, c'est ça. Alors, c'était à eux. Alors, lui, il bouge. 1. Lui, il attaque avec 2 dés. Ça prend des 2 moins. Il attaque le médic ou le soldat. Là, il a joué. On va regarder s'il y a un ordre de priorité particulier à part ça. Quand c'est l'ennemi qui attaque. Enemy movement. Oh, j'ai pas fait de parting leap. J'ai oublié de faire mon parting leap tantôt. Nanana. Ok, fallait qu'il fasse. Lui, il avait le droit à une attaque gratuite sur mon médic tantôt. À 3 et moins, donc mon médic a perdu un point de vie dans sa fuite. Alors ça, j'avais oublié. Mais là, l'ennemi attaque qui? Oh mon Dieu. Ça, c'est pas évident. Ennemi, bon, ennemi action. Bon, 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 bon. Weapon caractéristique. Terrain, c'est pas ça. Range attack versus target melee. Full auto attack, unconscious. Ennemi, range attack. Ça, il prend des 2 et moins. Donc, ça fait 1. Pouf! Mon médic qui vient de recevoir un coup au visage. Et le boss attaque aussi le médic. Lui, c'est avec 4 dés par contre. Ça, il prend des 4 et moins. Ça fait 3 touches. 1, 2, 3. Aïe, aïe. Deuxième, lui, arrive dans le combat. Je vais me faire péter la fiole. Ça n'a pas de sens. Ok, je suis niaiseux. Lui, il arrive. Lui, il s'attaque au soldat. Il touche une fois. On attend un peu. J'aurais-tu un moyen de défense? Non, pas là. Puis lui, il y en a-tu un? Okay. Ah, c'est pas pire. Puis le boss, lui, il attaque le soldat. Et il touche 1, 2, 3 fois. 1, 2, 3. Mon soldat est inconscient à terre. Alors, ça, c'est pas drôle. Et là, c'est le début du prochain round. 1, 2. Donc, premièrement, mon médic va réanimer le soldat. Va donner un point de vie. Mon soldat, lui, qui n'a pas repris de carte, va tenter
Il va attaquer en mêlée. Hein? Ça, il prend des 1, par exemple. Un des deux. Il va attaquer la brute que là. Alors, moins 1, c'est vrai, à cause du Heavy Rain. Je vais prendre un point de morale pour avoir un plus 1. Donc, il y en a deux qui vont toucher. Puis lui, il se défend avec un dé. Et réussi en mange d'achenoute. Donc, il est rendu à 3. Lui a fait une action, lui a fait une action, il va faire sa deuxième action. Je peux pas faire de range attack quand il est en close, hein? Non. Okay. Il va utiliser un first aid kit. Et avec cette carte-là, ça va lui permettre que son first aid kit redonne 3. Donc, il va redonner 3 au soldat. Et le soldat va faire une autre attaque sur toujours la même brute. Et je veux crier. Et voilà, il manque son coup. Donc là, c'est au brut. Les brutes qui vont attaquer en mêlée. Alors ça, il prend des 1 pour toucher le médic. Alors, touche le médic de 1, le médic tombe à terre. Magnifique. L'autre brute s'attaque au soldat. Touche pas. Le chef, ça, il prend des 3 parce qu'il pleut. Touche une fois. Clac. Ensuite, recommence. La brute qui attaque. Touche pas. L'autre brute. Touche une fois. Clac. Et c'est le chef qui attaque. Touche une, deux. Deux fois. Une, deux. Poc, poc. Les deux sont inconscients à terre. Et donc, c'est une défaite. Alors, vu que c'est une défaite, on va aller voir dans le Mission Book. Donc, on voit ça ici. Donc, chacun de mes personnages vont gagner un point d'XP quand même. Non, pas ça pendant tout. Donc, un point d'XP chacun. Il est rendu à 5. Où sont les 5 qu'il avait? Faut bien avoir. Voilà. Ensuite, chaque personnage qui fuit le plateau, il n'y en a pas. Chaque personnage inconscient en fin de partie, alors que les autres se sont enfuis, perd tous ses fuel cells. Et voilà. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on est inconscient, on perd 2 jours. Donc, si on va à la mission, donc on perd 2 jours. Un, deux. Je dois réussir à les nourrir. Donc, essentiellement, à chacun, donc j'enlève 2 bouffes aux soldats, 2 bouffes à mon cher ami ici. Les deux se retrouvent à un point de vie et se retrouvent toujours à El Infierno, là, sans rien. Donc se sont fait battre, casser la gueule par les hommes de Paul. Et ça se termine ce combat de cette façon-là. C'est merveilleux. Donc, on est toujours à El Inferno. Donc là, ça ici, je peux m'en débarrasser. On va tout enlever. Ça retourne dans le deck des méchants. J'enlève le plateau. Et voilà. Donc, mes personnages, mon médic et mon soldat se retrouvent. Ils ont passé 2 jours dans la rue, reprennent conscience, ils ont commencé à se reposer, etc., pour pouvoir s'en sortir. Et là, ils sont toujours à Inferno, mal en point. C'est pas merveilleux comme expérience. Bref, ce qui prouve une chose, c'est qu'à ce jeu-là, faut être bien préparé avant d'entamer des combats, faut avoir les armes appropriées, faut avoir des armures, etc., ce qui était pas mon cas présentement. Faut dire que j'ai couru un peu après.
Il faut le dire, là, j'ai couru un peu après ce combat-là, en respectant pas ma parole auprès de ce chef de gang qui s'appelle Paul. Donc, j'espère de pas le rencontrer durant la partie. C'est pas quelque chose qui m'enchante beaucoup, beaucoup. Bref. Alors, ma première impression, je vais la faire très, 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 très bientôt, mais je pense que je vous ai donné un petit aperçu de qu'est-ce que j'en pense. Bref. Suivez bien cette campagne. Il va y avoir d'autres rapports de campagne qui vont suivre dans les prochaines semaines. Je vais tenter de jouer encore un peu avant de tirer tout ça, pour passer à d'autres choses que vous savez, hein. C'est pas mal le Cult of the New, hein, le culte de la nouveauté à la zone jeu de société. Mais quand même, j'ai des vieux jeux aussi que j'aimerais ça rejouer aussi également. Mais bref, bonne belle expérience. J'ai bien hâte de continuer cette campagne-là. Puis je vous réserve mes véritables premières impressions un peu plus tard. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça serait très apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez sur Facebook et Instagram pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. Et allez vous inscrire à notre Discord si ce n'est pas déjà fait pour jaser, hein, pour discuter avec notre magnifique communauté. Allez sur notre Patreon aussi pour nous donner un petit coup de pouce à moi et Martin si vous le voulez bien. Et finalement, surtout, allez sur le site web de notre commanditaire, La Pioche, boutique de jeux à Québec, donc au www.boutiquelapioche.com ou encore allez visiter notre GP national au 106 boulevard René-Lévesque-Ouest à Québec. Et d'ici là, ben, amusez-vous avec vos jeux.